Je m'appelle Kevin Zimmerman, je suis chargé de mission pour la communauté de communes Cœur Hautland. Nous travaillons sur une problématique de territoire à énergie positive. La volonté de la collectivité est de produire plus d'énergie renouvelable que ses besoins au niveau local. Lorsque la collectivité produit de l'énergie renouvelable et crée des richesses, bah, les bénéfices sont partagés équitablement entre la collectivité, les industriels qui nous ont aidés à mettre ça en place et les citoyens qui sont à la fois acteurs économiques et décisionnaires du projet. Ce projet qui a été initié au début des années 2010 a déjà vu des réalisations concrètes. Certains bâtiments sont équipés de panneaux photovoltaïques qui produisent également de la chaleur. Tous les nouveaux éclairages publics sont des éclairages solaires autonomes. Nous avons construit également des centrales photovoltaïques avec pour but de revendre l'électricité. Pour tous les citoyens qui souhaitent se chauffer à base de bois, nous pourrons bientôt leur proposer des solutions à base de bûches compressées ou de granulés qui seront produits à base de déchets verts récoltés sur le territoire. Ces déchets verts, on peut les transformer en compost qui peuvent permettre aux agriculteurs de diminuer leurs besoins en amendements azotés. On essaye vraiment de mettre en place un cercle vertueux basé sur une économie circulaire qui soit à la fois créatrice d'emplois sur le territoire et qui contribue grandement à lutter contre les dérèglements que subit notre planète depuis maintenant des dizaines d'années.